Objectif Santé, le magazine de la santé, avec le pôle Lille Métropole Ramsay Général de Santé. Ramsay Général de Santé, nous prenons soin de vous. L'impression 3D pourrait devenir une aide précieuse pour les chirurgiens. Imprimer le cœur malade d'un enfant permettrait de mener des recherches précises avant l'opération et de connaître exactement les manipulations à suivre. Dans le cas de cardiopathie complexe chez l'enfant, la fabrication d'un cœur artificiel pourrait être une véritable avancée. Ce que j'ai dans la main, c'est la représentation tridimensionnelle, après impression, d'un modèle cardiaque d'un des bébés qu'on a fait opérer. Qui avait une cardiopathie complexe. La première opération qui a eu lieu chez cet enfant, dès la naissance, était une opération standard, habituelle. Mais à l'avenir, étant donné la complexité de sa malformation, on va devoir envisager d'autres solutions. Et ces solutions seront peut-être envisagées plus simplement grâce à cette impression 3D. Je ne pense pas que ça va changer notre pratique des opérations, mais ça va probablement nous donner plus d'informations pour faire des opérations encore plus sécurisantes. C'est-à-dire peut-être s'entraîner avant ou comprendre mieux les malformations les plus complexes. Encore en phase de recherche, l'imprimerie 3D de cœur artificiel a pour le moment des résultats prometteurs. On a des retours des chirurgiens qui est très positif. Et d'autre part, on a aussi des retours très positifs des familles, puisque avec un modèle qui ressemble beaucoup à la réalité, on a une explication qui est plus simple, plus claire. Une opération mieux préparée, des parents bien informés, l'impression 3D pourrait bel et bien se faire une vraie place en chirurgie cardiaque.